Salut les amis internautes, je vous ai fait un peu attendre mais nous voilà pour une nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Bon amusement et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Nous allons commencer par une petite expérience qui devrait beaucoup amuser vos amis. Pour la réaliser, vous avez besoin d'un bouchon de champagne ainsi que d'un micro-ondes. Saviez-vous que les bouchons de champagne avant d'être enfoncés dans les bouteilles sont en forme de cylindre? Ce n'est qu'après être restés plusieurs semaines dans la bouteille qu'ils prennent la forme d'un champignon. Pour permettre au bouchon de retrouver sa forme initiale, il suffit de le mettre au micro-ondes pendant une trentaine de secondes. Magie! Le bouchon a retrouvé sa forme initiale. Attention, si vous laissez le bouchon plus de 30 secondes, il explosera et risquera d'abîmer votre appareil. Voici à présent une petite expérience bien amusante. Pour la réaliser, vous avez besoin d'une pomme de terre crue ainsi que d'une paille en plastique. Je vous mets maintenant au défi d'arriver à planter la paille dans la pomme de terre. La paille va se plier à tous les coups sans parvenir à percer la pomme de terre. Eh bien moi je connais une astuce qui vous permettra de réussir sans aucun problème. Il vous suffit de boucher l'extrémité de la paille avec votre pouce. Vous pouvez maintenant enfoncer la paille sans aucun problème. Pour réaliser ce défi, vous avez uniquement besoin de 15 allumettes. Disposez les 15 allumettes comme ceci. Je vous mets à présent au défi de ne retirer que 5 allumettes afin qu'il n'en reste qu'une. La solution est pourtant simple. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il n'en reste qu'une. Pour réaliser ce défi, vous avez besoin d'une paille en plastique, d'un verre ainsi que d'une bouteille en verre vide. Commencez par retourner le verre. Je vous mets à présent au défi d'arriver à poser la bouteille sur le verre en utilisant seulement la paille et avec bien sûr l'interdiction de toucher la bouteille avec vos doigts. Voici la seule technique qui vous permettra de réussir ce défi. Commencez par plier la paille comme ceci et enfoncez-la dans la bouteille. Vous pouvez maintenant soulever la bouteille sans aucun problème et la poser sur le verre. Défi réussi! Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose une petite astuce sur Google qui devrait bien vous amuser. Si vous tapez Google Gravity dans votre moteur de recherche, une page pour le moins originale va s'ouvrir. Boum ! Et le plus drôle, c'est que le moteur de recherche continue à fonctionner.